mal les défenseurs à ce que ça. Et Dia, Ladies and gentlemen, welcome to the first game of the semi-final that we all pose Mali to Madagascar! The winner of this game will represent Africa to the World Championship U19-2023. Please welcome on the playground the team of Mali. Ladies and gentlemen, please now welcome the playground. Andiyat Sarafana!
12, Ben. And number 14, Tihindini. Madagascar is coached by please stand up to honor the national anthem of the two countries. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Palais des Sports Mamacina d'Antananarivo pour cette première demi-finale qui oppose le pays hôte Madagascar au double champion d'Afrique en titre, le Mali. La dernière fois que Madagascar et Mali se sont affrontés, c'était le 2 août 2014 et Madagascar l'avait emporté 78 à 54, mais ça remonte quasiment au calendrier grec. Aujourd'hui, nous avons une opposition de style, une opposition de deux équipes qui ont les mêmes statistiques, mais on a une équipe du Mali très rompue avec une grosse, grosse défense qui va se présenter avec Kanouté, Koulibaly, Marwan Diallo, Amadou Doumbia, et puis on aura Malik Diallo comme ailier fort, équipe coachée par Moussa Cissé, assistée de Kanouté Séga. Voilà cette équipe du Mali hein, qui est très très forte quand elle s'y met défensivement. Et puis en face, on a cette équipe de Madagascar. Madagascar qui est amenée par Mathias Madi de Gala. Il a été étincelant en quart de finale contre la Guinée. 28 points, 7 passes décisives, 3 interceptions contre la Guinée. Ce joueur a été impressionnant. Alors, les deux équipes sont à quasiment 48% de réussite au tir. On va dire que le Mali est beaucoup plus adroit à 2 points. Madagascar, 24% de réussite à 3 points contre 16 seulement pour le Mali. Au lancer franc, Madagascar, 57% de réussite, 55% pour le Mali. Le match pourrait se jouer sur ce genre de détails parce qu'au niveau des rebonds, on a 34 en rebond défensif, 32 pour le Mali. Mais c'est surtout le total des rebonds qui est un peu en faveur des Maliens, 51 à 46. Et il va falloir dans les deux équipes gérer les balles perdues parce que nous savons que 15,6 et 14,8 en points marqués sur contre-attaque, c'est quasiment équitable. Le gros problème viendra donc du nombre de ballons perdus
Et les Maliens, malheureusement, quand ils perdent leur concentration, perdent aussi beaucoup de balles. Le Mali a fini premier de son groupe, hein, premier du groupe B, tandis que Madagascar a fini troisième du sien. Voilà, le décor est planté pour ce match qui va partir d'un moment à l'autre. Qui va emporter le premier ticket pour cette finale du championnat d'Afrique U18 garçons dans 40 minutes ou peut-être plus, je le dis toujours, en cas de prolongation, on le saura. Cette équipe malienne, hein, qui, voilà, le fruit, le résultat d'une très très belle politique de formation. Politique de formation dont devraient s'inspirer, en tout cas, de nombreux pays africains. Le Mali qui fait beaucoup de détection et après la détection qui fait de la formation. Et ça donne de très bons résultats au niveau des jeunes gens. Maintenant, sur la partie senior, la transition entre les seniors et les jeunes. Voilà, il va falloir faire un peu plus d'efforts, mais le Mali a donné un exemple dans cette politique de formation de jeunes au niveau africain. Les filles, les garçons, U16, U18, U19, ça se passe très très bien pour le Mali. Allez, on est parti sur la remise en jeu. C'est Diallo. Marouane Diallo. Allez, on va donner tout de suite le ballon à l'intérieur pour Malik Diallo. Malik Diallo qui ne score pas. Le rebond malien n'est pas sécurisé. Et ce sont les Malgaches qui vont partir avec Mathias Madi. La passe laser. Ça ne marchera pas. C'est un ballon perdu. Marouane Diallo pour les Maliens. On va mettre en place le système. Voilà, on fait circuler le ballon. Le tir est manqué de la part d'Abdramane Kanouté. Rino. Mathias Madi. Ah, attention, Mathias Madi sur ce drive main gauche qui va aller provoquer la faute d'Amadou Doumbia. Voilà, première faute d'Amadou Doumbia. Ça peut aussi se jouer à ce niveau-là. Les fautes, les lancers francs. On sait que globalement, les équipes ne sont pas très adroites au lancer franc. Mais Madagascar a un meilleur pourcentage que le Mali. Donc il va falloir faire très attention. Le premier lancer franc est inscrit par Mathias Madi. Pour le grand plaisir du Palais des Sports de Mamassina. 2-2 pour Mathias Madi. Le Palais des Sports, hein, de Mamassina en configuration basket est doté de 7092 places. Même s'il ne semble pas avoir fait complètement le plein, il y a au moins 6000 personnes cet après-midi dans ce Palais des Sports Mamassina d'Antananarivo. Allez, le public qui scamme, défense. Attention à ne pas se laisser perturber. Les Malgaches qui vont partir sur la contre-attaque. Le contre-malien, nouvelle contre-attaque malienne. Malik Diallo qui va calmer. On remet en place Marouane Diallo. Marouane Diallo qui appelle le système. On va essayer de travailler tout de suite avec Doumbia. Le mid-range shot en corner qui ne passe pas. Le ballon bien sauvé par Moussa Koulibaly, qui a bien lu. Moussa Koulibaly qui est le chargé de mission. Sa mission, c'est de s'occuper personnellement du cas Mathias Madi. Voilà, qui a été ciblé par la défense malienne. On sait que c'est lui le fer de lance de cette équipe malgache. 28 points en quart de finale contre la Guinée. Ouais, la bonne défense malienne. Le shoot à mi-distance est manqué. Le rebond sécurisé par Fabrizio
On va continuer de travailler. Jerry, ça c'est difficile. Bon, c'est Airball qui se transforme en passe décisive. Et c'est Landrick Rakoto Nanahiri qui va scorer pour donner 4-0. Allez, la tentative de drive de Kanute. Kanute qui va provoquer la faute de Rino. Allez, remise en jeu ligne de fond. Marouane Diallo. Marouane Diallo qui va trouver tout de suite Malik Diallo. Oui, la main gauche. La belle finition sur le finger roll. Très très bien fait par Malik Diallo, le joueur de la Wachach Academy qui est dans l'Utah aux États-Unis. 2m08, 17 ans seulement. Gros espoir, gros potentiel du basketball malien, Malik Diallo. Remise en jeu, c'est parti. Marouane Diallo. Marouane Diallo. Le tir drop. Et ça fait ficelle. Quel joli flotteur là de la part de Marouane Diallo qui égalise 4 partout. Allez. Bon retour défensif à Damadou Doumbia. Bien revenu pour contrer cette passe de Landrick Donovan. Remise en jeu. Remise en jeu, Rino. Donovan, le tir à 3 points est manqué. Le tir de Jerry est manqué. Les Maliens. On envoie le ballon en dessous. Malik Diallo. Malik Diallo qui va essayer de travailler en 1 contre 1. Le ballon qui ressort pour Marouane Diallo. Qui ne va pas scorer. Et malheureusement, pour cette équipe malienne, c'est une faute. C'est une faute d'Abdraman Aïdara. Abdraman Aïdara battu sur la position préférentielle et qui a quand même essayé de jouer ce ballon. Il commet une faute. Faute sur Anderson, Andrea Tsarafara. C'est lui qui a le ballon d'ailleurs. Anderson. Le stop and go. Mathias Madi. Le tir à 3 points. Le tir de Landrick Donovan qui met en ébullition le public du Palais des Sports. Mamassina d'Antananarivo. Et c'est Kanute Abdraman qui va provoquer une faute. Faute de Landrick Donovan sur Kanute Abdraman. Kanute Abdraman, on l'a dit, issu d'une grande lignée de basketteurs. Par son père Alassane, ses oncles Boubacar et Sega, son cousin Siriman, voilà, une vraie famille de basketteurs. La famille Kanute. Le chemin s'effondre de Kanute. Voilà, 1 sur 2. Mali 5, Madagascar 7. Demi-finale, première demi-finale du championnat d'Afrique. U18 garçons et ce championnat d'Afrique est qualificatif pour la prochaine Coupe du Monde U19 qui aura lieu l'année prochaine. Voilà. Alors c'est une faute commise par Malik Diallo sur la prise de position préférentielle d'Anderson Andriat Sarafara. Remise en jeu. Jerry, Donovan, la passe dans le trafic, Anderson. Anderson qui s'y prend deux fois. Mais c'est lui qui a fait tout le boulot. Un panier, un rebond. Par Anderson, Andrea Tsarafara. Et tout de suite, en temps mort pour les Maliens. On va essayer de stopper un peu l'hémorragie 9-5. Les Maliens ne sont pas très bien rentrés dans ce match. Au contraire des Malgaches qui pour l'instant sont assez patients. Pour l'instant, ils font les bons choix. Voilà, temps mort malien demandé par le coach Moussa Cissé. Histoire de changer, histoire d'adapter, histoire de trouver des solutions aux problèmes posés jusqu'à maintenant par Madagascar.
Premier ticket donc pour la finale en jeu. Le pays hôte qui est face au champion d'Afrique en titre. Allez, le coach Cissé a passé ses consignes. Le coach Randria aussi. Ça va repartir dans quelques instants. 9-5 en faveur de Madagascar pour l'instant. Mathias Madi qui n'a pas encore scoré mais qui est déjà à deux passes décisives. Landryk Donovan qui lui a scoré 5 points. 2 points Mathias Madi. Autant pour moi. Et puis Andy Herson, Andrea Tsarafara, 2 points. Allez, ça va repartir. Remise en jeu latérale pour les Maliens. Il n'y a pas eu de rotation, de changement de joueur. La remise en jeu sera ligne de fond côté malien. Effectué par Moussa Koulibaly. Moussa Koulibaly chargé de se sacrifier en défense sur Mathias Madi. Diallo. Koulibaly. Le ballon en dessous pour Malik Diallo. Très bon mouvement. Très bon mouvement d'eau au panier de Malik Diallo qui va finir à l'opposé. Qu'est-ce que c'est très très bien fait pour le jeune pensionnaire de la Wasatch Academy aux États-Unis. Mathias Madi. Qui va ressortir le ballon. Randy Herson à 3 points. Aïe, 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 aïe. Ils sont très, très adroits pour l'instant. Les Malgaches. Ils allument des banderilles à 3 points. Et pour l'instant, ça fait mouche. Allez, la réponse d'Oumbia qui sera court. Le rebond. Diallo. Diallo qui va manquer mais qui bénéficiera d'une faute. 12-7, 4 minutes 32, 38 à jouer dans ce premier carton. Madagascar qui a pris le match par le bon bout. Changement de joueur côté malien. Essayer de rectifier les choses, essayer de mettre du 109. Premier lancé franc manqué par Malik Diallo. Reconforté par Amadou Doumbia. Les Maliens qui ont un bandeau noir hein, sur leur maillot, sur la manche droite pour la plupart. Voilà, il y a eu quelques événements douloureux, des problèmes de terrorisme, et on s'associe à la douleur du peuple malien. 1 sur 2 pour Malik Diallo, et ça va repartir. Côté malgache, Eritiana qui est entré en jeu, Mathias Madi, toujours Moussa Koulibaly, assez basque, Mathias Madi, what a shot, what a shot, what a shot. Mathias Madi à 3 points. Attention, plus 7 pour Madagascar. 15-8. Et derrière, ça défend bien. Et derrière, ça prend des rebonds. Et ça va partir vite en contre-attaque. Le ballon qui va revenir. Mathias Madi bénéficie de l'écran. Mathias Madi. On va remettre en place. Remise en jeu. Allez, Moussa Koulibaly, qui a travaillé en défense, qui va être remplacé par Mamadou Sakho, lui aussi hein, préposé à défendre sur Mathias Madi, le privé de ballon. Ce qui va être difficile à faire, mais tant qu'on peut le fatiguer, l'épuiser, je pense que c'est la tactique du coach Cissé. Oh là là, il avait tout fait, sauf la bonne passe à l'adversaire, Kanouté Abdraman. Et ça offre un panier gratuit
à Madagascar. Pour l'instant, l'équipe malienne n'y est pas. Pour l'instant, les Maliens déjouent, c'est le cas de le dire. Malick Diallo. Le petit shoot de Malick Diallo qui stoppe l'hémorragie. 10-17. Et ça va repartir. Donovan Landrick. Mathias Madi, toujours cette qualité d'appui. Landrick Donovan à 3 points. Ça ne rentre pas. Le rebond assuré par Richard Bay. Ballon perdu. Le tir sera manqué côté malien. Donovan, ça ne rentre pas. Rebond malien. On va repartir à l'assaut avec Mamadou Sakho, Malick Diallo qui va peut-être ressortir le ballon, non? Qui a décidé de travailler en ligne de fond. Obligé de ressortir le ballon. C'est statique côté malien, pas beaucoup de mouvement, ça ne bouge pas. Et on n'est pas loin de perdre ce ballon. Que c'est dur pour les aiglons maliens. Landrick Donovan se saisit de ce rebond. On va travailler. Mathias Madi. Ballon à l'opposé. Jerry à 3 points. Il est long. Ce tir. Rebond malien. Mamadou Sakho. Voilà, ça c'est bien. Tout en percussion. Ce drive d'Avraman Kanouté qui ramène le Mali sur les talons malgaches. 12 pour le Mali, 17 pour Madagascar. C'est un nouveau temps mort, cette fois-ci temps mort demandé par le coach malgache. Voilà. Il a vu que son équipe a du mal. Et on va essayer d'arrêter les frais pour ramener le score à des proportions beaucoup plus intéressantes pour les malgaches. Temps mort malgache. Malick Diallo pour l'instant fait un très bon début de match. 8 points à 3 sur 6, 3 rebonds. Mamadou Diarra n'a pas scoré. Abdraman Kanouté, 3 points. Côté malgache. Andriat Sarafara, 2 points. Fabrizio Patrick Eritiana, 2 points. Mathias Madi, 5 points. Jerry Pépin Rabibissoa, 3 points. Et Landrick Donovan, 5 points. Voilà, ça va repartir dans ce palais des sports. Maha Massina. Le lancer bonus de Kanouté est converti. 13-17. Attention à la trappe. Pas de laisser de joueurs libres. Une faute. Et le panier est accordé. Le panier est accordé plus la faute. Panier de Fabrizio Eritiana qui va bénéficier d'un lancé franc bonus. 19-13 pour Madagascar. Fabrizio au lancé franc. Action à 3 points pour Fabrizio Eritiana qui donne 7 points d'avance à Madagascar. Mamadou Diarra fait son entrée en jeu. Il prend un shoot très difficile, un shoot pas préparé du tout. Mamadou Diarra qui a été très très bon en quart de finale contre le Bénin. 24 points, 17 rebonds,
4 interceptions, 1 contre lors de ce quart de finale contre le Bénin. Allez, Malik Diallo qui va essayer de travailler en 1 contre 1. Pas loin de perdre ce ballon. Le tir de Doumbia. Le tir à 3 points de Doumbia qui va calmer, qui va calmer, qui va calmer tout ça. Allez, Mathias Madi. Mathias Madi. Défendu par Marwan Diallo. Il fait circuler le ballon. Il sera perdu. Malik Diallo, la passe de contre-attaque pour Kanouté. Obligé de ressortir. Marwan Diallo dans le corner. Ça ne fait pas mouche. Le rebond bien suivi. Bien suivi ce rebond par Mamadou Diarra. Et le Mali qui revient. Une petite possession à 45 secondes de la fin de ce premier quart-temps. Le Malien qui semble avoir pris la mesure désormais de leurs adversaires. Et Mathias Madi pour l'instant est assez bien muselé. Déjà 2 ballons perdus. Mathias Madi à 3 points. Il est court, très très court. Mais le ballon sera malgache. Allez, nouvelle rotation côté malgache. C'est Landric Donovan qui revient en jeu. En lieu et place d'Anderson. Andriat Sarafara. Remise en jeu dans le corner par Eritiana. Ouais, on va chercher loin. Landric Donovan qui va remettre le ballon à Eritiana. Landric Donovan à 3 points. Oh, avec la planche. Il ne l'avait pas annoncé celui-là. Il ne l'avait pas annoncé celui-là. Le tir à 3 points de Landric Donovan qui fait moucher derrière les Maliens qui perdent un ballon. Il y a un 3 contre 2. La passe dans le dos de Mathias Madi. Et le panier accordé plus la faute. Quelle belle action. Quelle belle contre-attaque. Bien conclue. Bien conclue par cette équipe malgache. Rabi Bissoua qui score. Plus un lancer franc bonus. En 2 actions, ils ont repris le large. Les U18 malgaches, le lancer franc ne sera pas inscrit. Malik Diallo, coast to coast, step aside. Attention, ne pas perdre ce ballon. Allez, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin du premier carton. Diarra qui n'a pas vu l'horloge et qui s'est fait prendre par la fin de ce premier quart-temps. Premier quart-temps conclu sur la marque de 25 à 18 pour Madagascar, ce qui est déjà en soi une petite surprise, mais on l'a dit, hein, cette équipe de Madagascar, il va falloir la prendre très très au sérieux. Elle joue à domicile, certes, mais elle joue aussi très bien. Elle joue très bien, il faut la prendre au sérieux, cette équipe malgache, qui pour l'instant en tout cas joue sans se poser de questions, joue sans complexe, avec un Mathias Madi qui laisse les choses venir à lui. 5 points pour lui, mais déjà 3 passes décisives. Et puis Fabricio Patrick Eritiana, 5 points, une passe décisive. Landric Donovan, 8 points. Un rebond, une passe décisive. Côté malien, pour l'instant, Malik Diallo qui surnage avec 7 points, 4 rebonds, une passe décisive. Il est secondé par Amadou Doumbia, 3 points, sortie de banc. Abdraman Kanouté, 4 points et 3 rebonds. Voilà les grosses informations que nous pouvons vous donner sur ce premier quart-temps. Les Maliens ont pris 12 rebonds, 11 rebonds pour les Malgaches. Donc des statistiques à peu près pareilles. Les Malgaches qui, pour l'instant, sont hyper à droite à 3 points. Match assez équitable. Pour l'instant, les Malgaches ont passé l'essentiel du carton en tête. Ils ont mené pendant 8 minutes
0-5. Les Maliens n'ont mené à aucun moment de ce match. Coucou Jesse. Yo, yo. Allez, ça va repartir. Moussa Koulibaly, Marouane Diallo, Malik Diallo, Mamadou Diarra, Amadou Doumbia pour le Mali, Fabrizio, Leva Mirando, Mathias Madi, Jerry Rabissoa et puis Landrick Donovan pour Madagascar qui repartent. Leva Mirando qui joue ses premières minutes dans cette demi-finale. Attention, pas loin de l'interception là. On va essayer de travailler. Oh, c'est pas mal fait. Le rebond capturé. Ils sont présents. Attention à ça. Landry. Donovan. Le rebond est assuré. Leva Mirando. Le ballon dans le corner. Attention, le pied sur la ligne. Ce sera une sortie de balle. Ce sera une sortie de balle. Le pied sur la ligne. Ballon perdu par Rino. On va repartir côté malien. Abdramane Kanouté qui annonce le schéma. Le ballon dans l'aile. On va essayer de servir en dessous. Doumbia, voilà, panier facile. Ils ont l'avantage de taille. Il faut en profiter. Amadou Doumbia mesure 2m10. Il faut en profiter. Mathias Madi. Mathias Madi qui va essayer de travailler. Mathias Madi. Une qualité de premier pas, une qualité de dribble exceptionnelle. Même si là, il n'a pas la finition au bout. Et toujours Moussa Koulibaly assez basque, hein, défensivement. Voilà. On a opté pour le jeu intérieur côté malien. Essayer justement de profiter de l'avantage de taille. Pas loin de la reprise de dribble là. On arrive en fin de possession. Violation. Violation des 24 secondes. L'attaque malienne était très confuse. Ça va repartir avec Mathias Madi pour Madagascar. Mathias Madi cherche des solutions. Landrick Donovan. Ça c'est un pick and roll dans un mouchoir. Complètement injouable. Complètement injouable ce pick and roll. Commence à avoir du déchet des deux côtés. Quelques ballons perdus des deux côtés. Abdramane Kanouté pour le Mali. Abdramane Kanouté face à Fabrizio Eritiana. Ah, il la passe est mal dosée. La passe est mal donnée. Cette passe de Mamadou Diarra, mal donnée. Les Malgaches à la relance. Mathias Madi. Bien défendu par Kanouté Abdramane. La tentative de pénétration cette fois-ci. C'était pas loin d'aboutir. La longue passe de contre-attaque. Il a joué la carotte. Kanouté Abdramane. Et les Maliens qui reviennent une nouvelle fois sur les talons des Malgaches. 25-22 pour Madagascar. Mathias Madi qui bénéficie de l'écran. Une nouvelle possibilité de contre-attaque. Hein, voilà. C'est aussi simple que ça. Rebond d'Amadou Doumbia. La passe de contre-attaque pour Abdramane Kanouté. Les choses sont aussi simples. On joue la carotte. Kanouté qui essaie justement de prendre à revers le repli défensif adverse. Très belle entrée en jeu en tout cas de Kanouté. Déjà 8 points pour lui, devient le meilleur scoreur là de son équipe avec 3 rebonds à la clé. Pendant ce temps, Mamadou Diarra a commis une faute sur Jerry Rabibissoa. Premier lancer franc de Rabibissoa qui va rentrer. La
deuxième tentative de Ravi Bissoua. Un sur deux, rebond long, Ravi Bissoua qui va capter son propre rebond, qui ressort le ballon. Donovan Landry, 4-3 points. Bang, 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 bang. Landry Donovan, qui pour l'instant fait de très très bonnes choses à 3 points. C'était difficile, c'était compliqué, mais Adama Traoré qui réduit l'écart pour le Mali. Landry Donovan, pour l'instant le meilleur malgache hein, sur le parquet. Oh, la bonne passe de Mathias Madi. Ballon qui va ressortir. Eritiana, ça ne rentre pas. Rebond malien. On va chercher la longue passe, à condition qu'elle soit précise. En transition. En transition, bien fait de la part de Mamadou Diarra, qui va scorer près du cercle. Et les Maliens reviennent à un petit point. Mamadou Diarra qui a été au rebond et qui a été à la conclusion de cette action. Mandrick Donovan. Mathias Madi, pas loin de perdre ce ballon. Mathias Madi qui se reprend, mais qui est très, très, très court. Très, très court. Mathias Madi. La pression, la fatigue, pour l'instant, on a du mal à retrouver ce Mathias Madi qui avait été étincelant contre la Guinée. Madagascar qui avait éliminé la Guinée, on se rappelle, sur le score de 59 à 47. Tandis que le Mali a atomisé le Bénin 106 à 46. Mathias Madi dans ses œuvres, la passe à terre. Le ballon qui va ressortir, Landry Donovan. Mathias Madi... Il gagnerait à faire simple. Il gagnerait à faire beaucoup plus simple. C'est une demi-finale de Coupe d'Afrique. Tout va compter. Apraman à 3 points. Kanouté, ça ne rentre pas. Ce n'était pas simple ce que nous a tenté Diarra là. Mais ils se battent. Ils se battent les aiglons. Le coach Cissé qui en veut aux arbitres. Le coach Cissé qui n'arrête pas de rouspéter. Il en veut aux arbitres. Il faut garder son sang-froid. Il faut se calmer. Les choses ne sont pas simples. C'est vrai, quand on joue contre le pays hôte, les choses ne sont pas évidentes. Mais il faut garder son calme. Moussa Cissé. ...4-46 à jouer dans ce deuxième carton, 29 Madagascar, 28 Mali. Et rotation de joueurs. C'est Abdraman Haïdara qui est revenu en jeu à la place de Malik Diallo. Côté malgache, Richard Bey est rentré à la place de Rino Randim Dubiari Velo. Voilà, 2 sur 2 pour Amadou Doumbia. Et les Maliens prennent les commandes du match. Un point d'avance pour le Mali. Bah, il va falloir défendre. Il va falloir défendre, messieurs. Un cause to cause. Panier très, très, très simple. Cadeau pour Landry Donovan. Rakoto Nanahari. Haïdara. Une poussette. Poussette malienne d'Adama Traoré et le ballon sera perdu. Madagascar qui a repris les devants. 31-30. Ouais, l'écran en tête de raquette de Géry. Ça c'est bien fait. La fin de passe. Et la faute, une nouvelle faute d'Adama Traoré sur cette feinte d'Anderson. Allez, deux lancers francs à suivre pour les Malgaches.
La Bibi Soa au lancer franc. Le premier converti. Chaleureusement félicité par Andy Erson. Andrea Sarafara. Rabi Bissoua, deuxième tentative. 2 sur 2 pour Jerry Rabi Bissoua. On va arrêter le jeu. Changement de joueur côté malien, m'a-t-il semblé. Et ça va repartir. Abdramane Kanté, Malik Diallo est revenu à la place d'Adama Traoré qui vient de commettre deux fautes là, coup sur coup. Abdramane Aïdara, tentative de drive qui va occasionner une faute malgache. Abdramane Aïdara donc va bénéficier. Mamadou Diarra, pardon, qui va bénéficier de deux lancers francs. Première tentative convertie par Mamadou Diarra. Mamadou Doumbia entre-temps est sorti. Et Mamadi Fofana est entré en jeu. Mamadou Diarra, le deuxième lancé franc. Voilà, 2 sur 2 pour Mamadou Diarra. Et toujours ce point d'avance des Malgaches. Et une nouvelle rotation de joueurs. Rino. Essayer de faire circuler le ballon. Mathias Madi dans ses œuvres. Voilà, Mathias Madi qui a eu le temps de souffler un petit peu sur le banc, qui est revenu en jeu à la place de Richard B et qui se signale tout de suite dès son entrée en jeu. Voilà, comme quoi ça aide, hein, ça aide de reposer les joueurs, même si ce sont vos joueurs vedettes. Et c'est une faute d'Abdramane Aïdara. Pour l'instant, aucune équipe dans la pénalité. Donc la remise en jeu sera ligne de fond. Le ballon bien ressorti. Rino à 3 points. Ça ne rentre pas. Le rebond long qui sera laissé par Mamadi Fofana. Abdramane Kanouté, combo garde, hein, capable de jouer arrière, capable de jouer meneur. Abdramane Kanouté, très très bon joueur, hein, ce Kanouté. Je l'ai dit, hein, il est issu d'une famille de basketteurs, les Kanouté au Mali. Il n'y a pas de repli défensif. Bon, il s'en sort très bien, Mathias Madi, là, sur ce dunk. En deux temps. Alors ça, par contre, c'est mal joué, il faut préparer les attaques. Il faut préparer les attaques, c'est très très mal joué côté malien. Abdramane Kanouté là qui a précipité son tir à 3 points. C'est un peu ça son problème, hein, Abdramane Kanouté. Il a parfois tendance à abuser du tir à 3 points. Mathias Madi. Le pick and roll, le jeu à deux. Ça c'est bien fait. Très très bien fait avec la... La conclusion de Jerry Rabi Bissoua sur une très très belle passe d'Anderson Andrea Sarafara. C'était pas side, compliqué, le rebond sera malgache, la contre-attaque derrière qui va s'enchaîner. Landryk Donovan, tentative de 1 contre 1, avorté. Va ressortir le ballon pour Andrea Sarafara qui va y aller tout seul et qui va provoquer la faute de Mamadi Fofana. Rebond défensif de Rabi Bissoua et Rabi Bissoua lui-même qui va provoquer cette faute de Mamadi Fofana.
Et Rabbi Bissoua, donc, va faire un petit passage sur la ligne de réparation. Amadou Doumbia, entre-temps, est rentré à la place de Mamadi Fofana. Rabbi Bissoua, lui, ne se fait pas prier. Donne 6 points d'avance au Malgache. Deuxième tentative pour Jerry Rabbi Bissoua. Et 2 sur 2 pour Rabbi Bissoua. Pour l'instant, ils sont très très bons dans ces francs, les Malgaches. C'est un pourcentage intéressant. Malik Diallo. Un panier, un tir à 3 points. Sans préparation, sans rythme, sans aucun échange de balles. Ce n'est pas très très bien fait. Il va falloir jouer collectif. Eh oui, nouvelle faute malienne là, faute d'Abraman Aïdara sur Mathias Madi. C'est bien de vouloir aller le chercher plus haut, c'est bien de vouloir le fatiguer, l'épuiser, mais il faut garder ses nerfs, il faut garder son énergie. Et Abraman Aïdara qui va essuyer les colibets du public du Palais des Sports, Mahamasina, d'Antananarivo. Et c'est un temps mort. Temps mort malien. On revoit quelques highlights hein, de Landrick Donovan, Rakoto Nanahari. Cette tentative de dunk manquée, mais qui entre quand même, de Mathias Madi. Voilà. Et puis là, la petite passe bien faite. D'Anderson pour Rabbi Bissoua. Allez, on est de retour dans ce palais des sports, Mahamasina. De lancer franc à suivre pour Mathias Madi. Mathias Madi, déjà 7 points pour lui, à 2 sur 7. Voilà, le premier lancer franc réussi. Gag là, arbitral. Essayer de remettre le filet en place. Deuxième tentative, Mathias Madi. 2 sur 2 pour Mathias Madi qui inscrit son 9e point de la rencontre. Le meilleur marqueur, c'est Landrick Donovan avec 13 unités. Pepe Rabbi Bissoua, 12 unités. Mathias Madi n'est que le 3e scoreur de son équipe. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour le Mali. Même si Doumbia vient calmer un tout petit peu tout ça. Amadou Doumbia sur ce tir à 3 points. Mathias Madi. Son travail. Voilà, essayer de. Ouh, il est loin. Il est loin, Mathias Madi. Mais ils se battent bien. Ils se battent bien au rebond. Et c'est Landrick Donovan. Rakoto Nanahari qui va capter ce rebond pour donner deux nouveaux points à son équipe. Faute offensive sifflée contre Malik Diallo. Il va falloir rester dans le match. Les aiglons du Mali. Alors, si j'en crois le geste de l'arbitre, la faute n'est pas contre Malik Diallo, elle est contre Abdraman Aïdara, qui a écarté son défenseur sur son démarquage. C'est une faute offensive.
Et Mathias Madi qui a très très bien joué le coup. Abdraman Haïdara qui devrait se calmer. Mathias Madi. On fait circuler le ballon. Landryk Donovan. Lino, Landryk Donovan dans le corner. Mathias Madi à 3 points. Il est court. Il a compris dès le lâcher du ballon. Essayer de suivre son rebond. Pendant ce temps, Kanouté qui est contré par Rabi Bissoua. Mathias Madi. On va calmer tout ça. C'est Rino qui a perdu un ballon là. Au grand dam de ses supporters. Et ce sera un nouveau temps mort. Les Maliens sont revenus, les Maliens sont passés d'une longueur, mais ça a duré à peine 20 secondes. Et puis Madagascar qui a repris le contrôle de ce match. Ils tiennent le bon bout en tout cas pour l'instant. Mais un match de basket ne se joue pas en 20 minutes, il se joue en 40 minutes. Voilà, de chaque côté, hein, on va essayer de placer les consignes. Temps mort malgache. Plus 8 pour Madagascar. Et on va repartir en jeu. Malienne Kanouté, non, le ballon est intercepté une nouvelle fois. Rabi Bissoua, attention le. Eh oui, ça ne revient pas côté malien. Et c'est Landryk Donovan qui va accompagner ce ballon sur cette claquette. Ils sont dépassés pour l'instant sur cette première mi-temps, les Maliens. 35-45, plus 10 pour Madagascar. Kanouté. Le double crossover à 3 points, ça fait filoche et ça permet aux Maliens de revenir à la mi-temps. Mais que c'est dur. Plus 7 pour Madagascar. 45-38. Une équipe surprise, hein, surprenante, mais plaisante, cette équipe malgache qui est vraiment plaisante, qui fait de très très belles choses dans ce match. Cette équipe malgache qui pour l'instant s'en sort très très bien avec un Landryk Donovan qui a bien supplié au scoring Mathias Madi. Landryk Donovan qui est à 17 points, Mathias Madi 9, Thierry Rabi Bissoua 12 points. Voilà qui viennent vraiment en renfort de Mathias Madi. Mathias Madi pour l'instant qui laisse venir les choses à lui, qui a déjà réalisé 4 passes décisives. Il essaye d'impliquer tous ses partenaires. En face, côté malien, on a Amadou Doumbia, 10 points. Abdraman Kanouté en sortie de banc, 11 points. Malik Diallo qui en est resté à 7 points. Mais globalement, Madagascar fait meilleure impression que le Mali. Mais on sait que cette équipe du Mali est capable de faire de très très bonnes choses, notamment en essayant de hausser son niveau défensif. 8 ballons perdus sur cette première mi-temps pour le Mali. Et 8 ballons perdus aussi pour Madagascar. Donc voilà le résumé de cette
de cette première mi-temps qui voit Madagascar aller au vestiaire avec cette avance de 7 points, 45 à 38. Que nous réserve cette seconde période, on vous dit à tout à l'heure.
Newton, troisième quart-temps. Il y a 25 ans à tout, le petit Coyote, tu as mis la main loin à Martin. Attends, fais la même salle. C'est bien. Nous sommes de retour dans ce palais des sports Mamassina d'Antananarivo à la mi-temps, à mi-chemin de ce match. Madagascar est devant 45 à 38 à l'issue de la seconde mi-temps, sinon plus on connaîtra le premier finaliste de ce championnat d'Afrique U18. Pour l'instant, les Maliens n'ont pas trouvé la clé, les Maliens n'ont pas trouvé la solution. Et les Malgaches qui font du très très bon travail. On sait que cette équipe malienne est douée, mais qu'elle a parfois tendance à sous-estimer ses adversaires. On sait aussi qu'elle a parfois des sautes de concentration. On espère pour elle que ce n'est pas le cas et qu'en seconde période, elle pourra trouver des clés. Quant aux Malgaches, mais qui jouent sans complexe, qui sont chez eux et qui font de très très bonnes choses. On a vu Sylvain Tovolalaina, on a vu Anderson Andriat Sarafara, on a vu Mathias Madi, on a vu Jerry Rabibisoa qui ont fait de très très belles choses sur cette première mi-temps. Et puis Landry Donovan, Rakoto Nanahari. Voilà, très très belle équipe malgache qui prend sa chance, qui joue sans complexe. Allez, on est reparti côté malien. Kanouté. Mathias Madi était sur la trajectoire de balle et ne pourra pas se procurer ce ballon. Attention, cette remise en jeu encore compliquée. Le ballon est perdu cette fois-ci. La contre-attaque. Mathias Madi qui est contré. Oh, le retour. Oh, le retour gigantesque de Mamadou Diarra. Énorme, énorme ce retour de Diarra. Et Diarra qui sera pénalisé pour une poussette sur Mathias Madi. Oh, quel retour. Quel retour là de Diarra sur ce contre. Il était magistral. Allez, on va repartir côté malgache avec Rino. Mathias Madi. Mathias Madi défendu cette fois-ci par Marwan Diallo. Anderson. Fabrizio Eletiana. Attention, le ballon dans le corner. On ouvre de boulevard. Et encore une nouvelle faute de Diarra. Nouvelle faute de Diarra. Il faudra faire attention, Diarra. Deux fautes là, coup sur coup. Alors qu'il avait fait une très 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 belle entrée en jeu là, Diarra. Allez, lancé franc à suivre. Fabrizio Eritiana. Il est manqué. Moussa Koulibaly d'ailleurs qui va rentrer en jeu à la place de Mamadou Diarra, pénalisé par les fautes. 1 sur 2 pour Fabrizio Eritiana. Kanouté. Koulibaly, le ballon encore perdu et cette fois-ci il ne va pas le manquer. Il ne va pas le manquer cette fois-ci. Mathias Madi ne va pas se faire contrer non plus. Et les Malgaches, 10 points de nouveau. Pas loin d'intercepter ce ballon. Anderson. Malik Diallo. Faute de Jerry Rabibisoa qui a choisi de défendre en overplay. Quand vous défendez en overplay, ça suppose que derrière vous avez une aide défensive, ce qui n'a pas été le cas pour la défense malgache. Et Jerry Rabibisoa s'est vu obligé de commettre une faute. Attention, ne pas trop en faire.
Remise en jeu. Malik Diallo qui va s'en sortir. Attention, il a perdu le ballon. Il a perdu le ballon. Troisième ballon perdu par Mathias Madi. Tendance à la jouer un peu, à la jouer un peu facile, à la jouer un peu à la cool. Ça peut créer des surprises désagréables. Malik Diallo, Marwan Diallo dans l'aile à 3 points. On est sur un 5-0 là en 30 secondes pour les Maliens. Qui reviennent du coup à 5 points. Mathias Madi, la trappe malienne. Le ballon va sortir en faveur des Malgaches. Et cette fois-ci, c'est Marwan Diallo qui va se coller au basque de Mathias Madi. Quasiment en défense de boîte, Marwan Diallo, tentative de double écran. Allez, on va utiliser Rabi Bissoua. Mathias Madi bénéficie de l'écran, tête de raquette. Incompréhension entre Mathias Madi et Rabi Bissoua. Diallo, Kanouté, la position préférentielle, Malik Diallo qui va essayer de travailler en force. Ce sera une faute de Jerry Rabi Bissoua. Le panier est-il accordé dans la foulée? Alors, discussion entre les arbitres. Première demi-finale donc entre le Mali et Madagascar. La prochaine demi-finale qui promet aussi opposera l'Égypte à l'Angola, sitôt à la fin de ce match. Donc le panier n'a pas été accordé, remise en jeu malienne en ligne de fond qui sera exécutée par Marwan Diallo. Malik Diallo. Malik Diallo. Le jab step qui essaie de travailler Malik Diallo en se retournant en spin move. Très très bien fait Malik Diallo. 9 points désormais. Il est parti à l'aventure là, Eritiana, devant les grands gabarits maliens. Présumer un peu de ses forces. Marwan Diallo. Marwan Diallo. On donne le ballon en dessous. Adama Traoré qui a bien ressorti. Malik Diallo qui est pris dans la tenaille. Marwan Diallo sur un appui. Il le fait bien, il le fait bien. Il réussit bien ses flotteurs. Marwan Diallo. Très très joli flotteur. Bien soyeux. Mais il n'y a pas de défense malienne. Il n'y a pas de défense malienne. À ce niveau de la compétition, ça ne pardonne pas. Et c'est Landryk Donovan qui se régale. Sur une absence défensive, encore une fois, côté malien. Alors que la défense est surtout l'ADN de cette formation malienne. Doumbia, Diallo, Doumbia. Qui va perdre le ballon? Non, le ballon sera malgache. Remise en jeu. Allez. Changement de joueur côté malgache. C'est Rino qui est rentré. Le step back. Il est très très long. Trop long même. Allez, Landryk. Landryk Donovan. On va ressortir le ballon. Voilà. Jerry Rabi Bissoua. On essaye de faire travailler Rino qui est rentré, Landryk. Oui, 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 il y a une faute. Il y a une faute. Même si Amadou Doumbia conteste, il y a bel et bien faute. Il y a bel et bien faute d'Amadou Doumbia. Trois points d'avance pour Madagascar, 50 à 47. Dans cette première demi-finale du championnat d'Afrique U18. Oh là 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 là, ça c'est un cadeau offert à Kanouté. Kanouté qui ne s'est fait pas prier pour amener les Maliens à un petit point des Malgaches.
Mathias Madi, défendu par Kanouté Abdraman. La faute de Kanouté Abdraman. Très rare hein, de voir des joueurs admettre, reconnaître les coups de sifflet. Allez, remise en jeu. Landryk Donovan. Oui, ça c'est bien le jeu à deux avec Rabi Bissoua. Ça c'est très très bien fait sur le jeu à deux. Et Madagascar qui reprend trois longueurs d'avance. Le jeu de passe des Maliens, un peu chaotique, mais ils vont s'en sortir avec cette sortie de ballon. Marwan Diallo, Malik Diallo. Malik Diallo, encore ce même shoot, sans élan, sans timing. Un peu à la cool, un peu trop à la cool d'ailleurs, Malik Diallo. Attention à ça, ça peut se payer cash. Mais Mathias Madi, il est parti dans le trafic. Jerry Rabi Bissoua qui est parti dans le trafic et qui va bénéficier d'une faute. Et comme on sait pour l'instant que les Malgaches sont assez bons au lancer franc, il y a peut-être des soucis à se faire côté malien. Jerry Rabi Bissoua au lancer franc. Premier lancer franc réussi par Rabi Bissoua. Ce match risque d'être indécis jusqu'à la fin. Rabi Bissoua, le deuxième qui rentre. Et ils repartent à plus 5, les Malgaches. Malik Diallo, Kanouté, Kanouté sur le drive qui va provoquer la faute de Mathias Madi. Mathias Madi. On est à ça. Première faute, toute première faute du match. Oh la passe. Oh la passe dans les chevilles. La passe dans les chevilles. De Doumbia. Et ça, ça ne va pas. Ça ne va pas le faire. Nouveau ballon perdu. Sur le 11e ballon perdu par les Maliens. Rino. Mathias Madi. L'écran. Mathias Madi. Qui transfère le jeu à l'opposé. Ça c'est bien fait. Le tir à 3 points. Celui-là aurait fait mal. Mais le rebond est assuré par Anderson. Mathias Madi à 3 points. Oh ce killer. Oh ce killer, Mathias Madi. Oh là 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 là. Un shoot qui est capable de vous couper les jambes. Ce shoot à 8 mètres de Mathias Madi. Qui coupe les jambes maliennes. Les Maliens qui étaient revenus à une longueur, deux longueurs, trois longueurs. Et là, qui vont se prendre ce tir dans la tronche. C'était une bon, on revoit cette pénétration. De Landryk Donovan, pas de défense. Le jeu à deux. Voilà, là aussi, c'était très bien fait avec Anderson, Andriat Sarafara. Et puis regardez ce tir. Trois séquences offensives qui font mal. Le champion d'Afrique est bousculé. Les Malgaches qui jouent sans complexe. Sûr de leur basket, avec leurs armes en tout cas. Bon, aucun souci. Et ils ont le public avec eux dans cette salle du Palais des Sports. Le Mahamasina, on l'a dit en configuration basket, c'est 7092 personnes.
Mais au bas mot ce soir, il y a entre 5 000 et 6 000 spectateurs pour encourager les jeunes malgaches qui ont repris 7 points d'avance. Doumbia, Doumbia pas loin de perdre ce ballon. Doumbia, Doumbia, et qui finit par le perdre. Et l'obstruction, obstruction, obstruction de Malik Diallo. Obstruction de Malik Diallo qui commet une nouvelle faute. Faute sur Landry Donovan. Faute qui va occasionner de lancer franc, les Maliens étant dans la pénalité. Madagascar dans le bonus. Landry Donovan manque le premier, le deuxième manqué aussi. Rebond Malik Diallo. Abraman Kanouté pour le Mali. Abraman Kanouté qui va partir tout seul. Il a mis Mathias Madi dans le vent sur son crossover et qui va tout seul inscrire ce panier. 6 points d'avance pour Madagascar, 57-51. Andy Herson, la passe derrière, le compte, il est propre. Il n'a pas fait le voyage pour rien là. Fabrizio Eritiana. Allez, remise en jeu latéral pour les Maliens. Abdourahmane Kanouté. Il va une nouvelle fois défier Mathias Madi. Diarra, Diarra pour Diallo. Diallo qui va essayer de travailler. Oui, la petite passe. Ça, c'est bien fait. Ça, c'est bien fait. La combinaison entre Diallo et Adama Traoré. Bien réussi. Et le Mali qui revient à moins 4. Mathias Madi à 3 points. Il aurait fait mal, mais il faut sécuriser le rebond côté malien. Gerira Bibisoa se régale. Donovan Landrick. Et là, sur le premier pas, Rino Landrick Donovan à 3 points. Et toujours rebond malgache. Et Nwan. Ils sont battus. Ils sont battus. Et là, Anderson, Andrial Sarafara, très très bien placé, qui va capter ce rebond et derrière, qui marque avec le lancer franc bonus. Les Maliens sont pour l'instant en perte de concentration et c'est surtout ça qu'on leur reproche. Une équipe bourrée de qualité, une équipe qui a beaucoup de talent, mais qui peut par moments sombrer dans des sautes de concentration. Regardez, voilà, cette fois-ci, le rebond sécurisé par Diallo. Kanouté. Kanouté. Voilà, ça c'est bien, le ballon qui arrive en dessous. Le petit dunk pour se faire plaisir de Malik Diallo. Qui doit lâcher le ballon une fois que le panier est inscrit. Les Maliens qui reviennent. Rabi Bissoua, remise en jeu. Mathias Madi, pas loin d'effectuer une baseball pass. Mais il va monter le ballon en dribble. Avec à ses basques, Marwan Diallo. L'écran d'Anderson. Nouveau ballon perdu. Quatrième ballon perdu par Mathias Madi qui parfois a tendance à en faire trop. Marwan Diallo dans le corner. Ça ne rentre pas. Malik Diallo sur le rebond. Malik Diallo sur le finger roll. Le bras roulé. Skyhook qui ne rentre pas. Mais il bénéficiera de deux lancers francs. Possibilité donc de ramener le Mali à une seule possession de Madagascar.
Et la bronca du public du Palais des Sports. Mahamasina qui réussit à perturber Malik Diallo sur son premier lancer franc. Malik Diallo qui, à mon sens, n'est pas encore sorti de la partie. Peut-être besoin d'une ou deux minutes sur le banc pour se reposer, pourquoi pas, de revenir meilleur. Donovan Landry qui met le pied en touche. Le ballon est perdu et le ballon sera malien. Remise en jeu, Diarra. Diarra, Kanouté. Kanouté qui va provoquer la faute de Richard Bey. Madagascar aussi est dans la pénalité désormais. Deux lancers francs à suivre. Le premier est inscrit sans problème par Kanouté. Deuxième lancer franc. 2-2. Et de nouveau un point d'avance. De nouveau un point d'avance en faveur de Madagascar. Les Maliens qui sont bien revenus. La trappe qui ne fonctionne pas. Mathias Madi. Défendu par Diallo qui a perdu ses appuis. La passe dans le dos. Rabibi Soa qui est contré par Larceau. Mais qui va se battre. Rabibi Soa qui ressort le ballon. Mathias Madi. Bang, 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 bang. Mathias Madi, the killer. Wow. Quel assassin ce joueur. Allez, Kanouté qui stoppe l'hémorragie. 60-62. Rabibi Soa qui va bénéficier d'une faute. Et Coach Cissé s'en est jeté par terre. Le coach Moussa Cissé s'est jeté par terre. Lui qui conteste de façon véhémente hein, ce coup de sifflet des arbitres. Les arbitres qui vont lui demander de se calmer, de s'asseoir. Y a-t-il eu une faute technique sifflée? Oui, il y a eu une faute technique de sifflet contre Moussa Cissé, le coach malien. Mathias Madi qui ne réussit pas le lancer franc de la faute technique. Maintenant, c'est au tour de Landry Donovan qui, lui, avait bénéficié de deux lancers francs sur une faute personnelle. Lui aussi, qui va manquer. Ils peuvent être cruciaux, ces lancers francs. 0-2, la claquette. La claquette d'Anderson, Andriat Sarafara. 4 points. 4 points d'avance pour Madagascar. Kanouté. Diallo sur le premier pas qui provoque la faute de Richard Bey. Et Diallo qui va se présenter sur la ligne de lancer franc. Premier est manqué. Premier lancer franc manqué par Malik Diallo. Allez, on essaie de retrouver sa concentration. Essayer de retrouver son mojo, son rythme. Le deuxième, voilà, sera inscrit.
et désormais moins 3. Remise en jeu, le ballon dans les mains de Mathias Madi. On va faire circuler Landry Donovan, Mathias Madi. Mathias Madi, la fin de tir. La passe cachée et une nouvelle faute d'Adama Traoré cette fois-ci. Il joue bien le coup, il lise bien le jeu. Les jeunes malgaches, c'est vrai, les Maliens ont beau se plaindre, mais il faut dire que Madagascar, pour l'instant, joue bien. Pour l'instant, Madagascar utilise bien la lecture offensive. Ils exploitent bien ce que leur offre la défense malienne. Et Leva Mirando au lancer franc qui va manquer son premier tir. Ils avaient un très bon pourcentage en première mi-temps. Il est tombé au-delà, en dessous des 50% les Malgaches. Espérons pour eux qu'ils ne le regrettent pas. Oh, yeah, 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 yeah. Cette pénétration d'Abraman Kanouté tout en force. Leva Mirando qui n'a pas résisté, qui n'y a vu que du feu. Allez, Kanouté de nouveau sur la ligne. Là aussi, ça ne rentre pas des deux côtés. On est d'une maladresse au lancer franc. C'est incroyable. Incroyable. Les Maliens sont à 52%. Les Malgaches, 54%. Allez, la dernière possession dans les mains de Mathias Madi. Dernière possession du troisième carton. Mathias Madi, l'écran de Rabi Bissoua. Mathias Madi qui va réceptionner ce ballon. Mathias Madi, ça ne rentre pas. On en reste là. 64 à 62 en faveur de Madagascar à la fin de ce troisième carton. Même si les Maliens reviennent bien dans cette partie pour l'instant, Madagascar joue bien, Madagascar joue mieux. Les Maliens qui sont sortis par moment de ce match. Madagascar qui remporte le premier carton. Le deuxième carton, égalité. Le Mali remporte le troisième carton de 5 points. Ce qui donne cet écart de seulement 2 points. Mais rien n'est fait. Rien n'est fait. Malik Diallo, 13 points pour le Mali. Abdraman Kanouté, 20 points. Qui sont le fer de lance de cette équipe, bien aidé par Amadou Doumbia. Côté malgache, Mathias Madi, 17 points, 4 passes décisives. Rabi Bissoua, 14 points. Et puis Landry Donovan, Dakoto Nanahari, 19 points, sont les meilleurs scoreurs de cette rencontre. Quatrième carton qui va partir dans quelques instants. Quatrième carton qui sera décisif. Le public du Palais des Sports. Ramanasina qui soutient son équipe, c'est de bonne guerre. Allez, Mathias Madi. Mathias Madi dans ses œuvres. Le ballon dans le corner. Il a hésité à prendre ce shoot. Il va s'enfermer. Rabi Bissoua à la rescousse. Jerry Rabi Bissoua, Landry Donovan à 3 points. Il est très 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 court. Le ballon sera sauvé par Marouane Diallo. Allez, cette passe de Kanouté pour Malik Diallo qui va jouer le post-op. Voilà, dos au panier. Non, c'est Doumbia. Oh là là, Doumbia. Pas loin du marché là. Pas loin du marché, Doumbia.
Mais Malick Diallo qui va égaliser pour le Mali. 64 partout. Dans cette entame de 4e carton. Anderson. Oh, le ballon sera perdu. Et le dunk derrière de Malick Diallo qui va donner 2 points. 2 points d'avance pour le Mali. C'est la deuxième fois seulement que le Mali mène au score dans ce match. La première fois, ça avait duré 6 secondes. Oh, la bonne passe. Il a des yeux partout. Il a des yeux partout. Mathias Mali. Et qui va donner cet amour de caviar pour Landryk Donovan. Rakoto Nanahari. Et Madagascar qui égalise 66 partout. Le shoot de Kanouté à 3 points. Qui fait du bien. Plus 3 pour le Mali. Ça va monter, ça va monter crescendo en température et en intensité dans cette première demi-finale. Rabi Bissoua, Mathias Mali, jab step, Mathias Mali et la faute de Kanouté. Abdraman Kanouté qui est pénalisé. Difficile à garder, hein, difficile à marquer comme joueur. Et Abdraman Kanouté qui en est à sa troisième faute, ce qui peut être un problème pour cette équipe malienne. Parce que, Kanouté qui fait vraiment un très très beau match. Le ballon perdu par Rabi Bissoua et nouveau dunk de Malick Diallo. Temps mort à suivre pour Madagascar qui est très très mal rentré dans ce quatrième carton. En tout cas, les Maliens ont haussé le ton en défense. On le sait, c'est dans leur ADN. Ils ont haussé le ton en défense. Ils sont beaucoup plus agressifs, beaucoup plus saignants. Et Malick Diallo qui lui se régale sur les contre-attaques. Le joueur de la Wasatch Academy dans l'Utah. Temps mort malgache. Voilà, essayer de resserrer les boulons. Essayer de passer les consignes et surtout se faire comprendre. Les Maliens sont revenus ragaillardis en tout cas dans ce quatrième carton. Et ils ont maintenant le score en main. 4 points d'avance, 71 à 66 pour les Aiglons. La remise en jeu sera malgache. Rabi Bissoua. Mathias Mali. Mathias Mali, toujours défendu par Kanouté. L'écran d'Anderson. Mathias Mali, toujours la passe dans le dos. Voilà, ça c'est bien fait. Ça c'est bien fait. La fixation à l'intérieur. La petite passe pour Andrea Tsarafara. Et 2 points à la clé. Marwan Diallo, Abdraman Kanouté, le tir à 3 points, il est court, la contre-attaque, et la faute, faute de Marwan Diallo. Plus 3 pour le Mali. Ce match qui va commencer à devenir de plus en plus crispant. Donovan, Landryk à 3 points. En panne d'adresse là sur cette deuxième mi-temps, Landryk Donovan. Et c'est Kanouté. Kanouté qui monte la balle pour le Mali. On va essayer d'isoler Malick Diallo. Voilà, pour lui permettre de jouer en 1 contre 1. Malick Diallo, cette fois-ci trop long, qui prend son propre rebond. Et qui va scorer. Gros match là de Malick Diallo sur cette seconde mi-temps. Voilà les Maliens qui ont compris. On isole Malick Diallo. On lui donne la passe dans le trafic. Mais attention. Ça ne rentre pas. Rebond de Doumbia. Marwan Diallo. La contre-attaque malienne. Malick Diallo qui a hésité. On va calmer tout ça. Abdraman Kanouté.
Malik Diallo, voilà. Isolation game. Tu vas jouer en isolation, Malik Diallo. Ça, c'est bien. Doumbia, la fin de tir. Le tir à 3 points de Doumbia, ça ne rentre pas. Malik Diallo qui fait un chantier. Il fait un chantier au rebond, Malik Diallo. Gros, gros, gros match de l'ailier fort malien. 21 points et 14 rebonds. 14 rebonds pour Malik Diallo. Quelle performance. Ça commence à devenir de plus en plus difficile pour Madagascar. Plus 7 pour les Maliens. Abdraman Kanouté. 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 Diallo à la rescousse. Et le passé va. Doumbia. Doumbia qui n'était pas prêt à recevoir ce ballon malheureusement pour les Maliens. La contre-attaque et nouvelle faute. Nouvelle faute sur Mathias Mali. Faute d'Amadou Doumbia. Les Maliens sont devant. Ils sont passés devant. Ils ont essayé de maintenir cette avance. Même de la corser. Rino. À l'opposé, Rabi Bissoua. Anderson. Mathias Madi à 3 points. Isra Kour. Marwan Diallo. Abdraman Kanouté. Abdraman Kanouté qui appelle le jeu à deux avec Malik Diallo. Le flare screen. Voilà, on va isoler une nouvelle fois Malik Diallo. Voilà, un quart de terrain pour travailler. Ça, c'est pas mal fait. T'es pas loin là de réussir son spin move, Malik Diallo. Ah, fin de possession. Violation des 24 secondes. Ce qui fait un nouveau ballon perdu pour les Maliens. Pour les champions d'Afrique en titre. Mathias Mali. Mathias Mali. L'écran d'Anderson. Mathias Mali, pas loin de perdre le ballon. Malik Diallo est allé souffler. Voilà, il en avait vraiment, vraiment besoin. Il avait vraiment besoin de souffler, là, Malik Diallo. Et c'est Mamadou Sakho qui est entré en jeu. Allez, il va falloir se démarquer. Anderson. Rino. Il y a du monde. Rino. Ce shoot, ce shoot de Fabrizio Eritiana qui tutoie le plafond du palais Mamasina d'Antananarivo et qui ramène les Malgaches à moins 4. Quelle trajectoire de shoot. En revanche, celui-là, il est très très mal pris, très très mal préparé. Kanouté qui va s'en sortir. Le Malien qui contrôle désormais ce match. Le Malien qui, on le sait, hein, sont très présents dans des compétitions de jeunes. U16, U18. Ça s'est bien fait aussi, Eritiana. La passe à terre pour Rabi Bissoua. Il n'abdique pas. 3-20 à jouer. 4 points d'avance seulement pour le Mali, pour le champion d'Afrique. Madagascar qui joue. Eh oui, marché. Marché, malheureusement, pour Mamadou Diarra. Qui a tenté le coup de la chaise. Ça n'a pas marché. Belle entrée en jeu hein, de Fabrizio Eritiana. Attention, nouvelle claquette d'Anderson Andrea Sarafara et les Malgaches qui reviennent à 2 points seulement du Mali. Ce match n'a pas encore livré sa vérité. Kanouté, Kanouté qui ressort. Marwan Diallo à 3 points. Ça ne rentre pas. Le rebond sera malien. Non, cette fois-ci, c'est Andrea Sarafara qui va se battre. Le ballon en définitive
dans les mains maliennes. Allez, le ballon. Attention, on va remettre, voilà, il faut remettre l'horloge à 14. L'horloge de la possession qui a été remise à 14, à 12 et non plus à 3 secondes. Allez, le ballon malien, Mamadou Diarra, Abdramane Kanouté. Voilà, le même schéma, on va tenter d'isoler Diallo. Attention, ne pas perdre ce ballon, il est perdu. Et la faute antisportive, peut-être, non. Ah oui, accordé, faute antisportive. Mamadou Doumbia qui perd le ballon et qui derrière commet une faute antisportive. Occasion pour les Malgaches d'égaliser et de passer devant sur la possession à venir. Anderson, Andrian Tsarafara au lancer franc. Il le sait. Ils sont importantissimes ces lancers. Et le joueur malien Mamadou Diarra qui va sortir pour recevoir des soins. Et Andrian Tsarafara. La faute antisportive était en faveur de Rino Randimbiarivelo. Premier lancer franc manqué. Deuxième lancer franc, Rino. 0 sur 2. Ouïa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 ï
et il s'est bien bagarré. Ce Jerry Rabibisoa qui ne s'en laisse pas compter, qui a suivi ce shoot, et bien lui en a pris. Remise en jeu malgache. 1:32 à jouer. Landryk Donovan. Et nouvelle faute, nouvelle faute. Ils ont compris, ils ne shootent plus extérieur. Ils ont le bonus et ils vont provoquer des fautes pour avoir des lancers francs. Encore faut-il réussir ces lancers francs. Cette fois-ci, c'est Rabibisoa qui sera sur la ligne. Et toute la salle, Jerry, c'est son prénom. Jerry Rabibisoa au lancer franc. Toute la salle qui l'encourage. 1:26 à jouer. Rabibisoa. Premier lancer franc inscrit par Jerry Rabibisoa. Congratulé par Richard Bay. Rabibisoa, deuxième lancer franc pour donner une possession complète. 2 sur 2 pour Rabibisoa. Et temps mort à venir. Temps mort à venir pour les Aiglons du Mali. Ça fait longtemps que les Aiglons du Mali n'ont pas été autant bousculés dans un championnat d'Afrique. Et là, c'est le cas. 77 pour le Mali, 80 pour Madagascar. Et vous imaginez, 15 lancers francs manqués par Madagascar. Ils en ont eu 30 au total, ils en ont marqué que la moitié, c'est-à-dire 15. Imaginez Madagascar, même à 60%, 70%, remporter ce match largement. Les Maliens, quant à eux, sont à une très très bonne moyenne de 71% de réussite au lancer franc. On l'a dit, ce match peut se gagner comme il peut se perdre au lancer franc. Le problème pour les Maliens, c'est le foul trouble. Ils sont dans la pénalité. Et ça, c'est un problème. Cette possession en sortie de temps mort qui va être très importante. Marouane Diallo sur la remise pour Kanouté. Kanouté Abdraman qui ressort le ballon à 3 points. Ça ne rentre pas, le rebond malgache. Et la faute de Malick Diallo. La faute de Malick Diallo. Et de nouveau, qui va se retrouver au lancer franc? Jerry Rabibisoa. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. S'il en met un, il met le Mali à 2 possessions. 1:18 à jouer. Ce ne sera pas perdu pour le Mali, mais ça sera compliqué. Rabibisoa au lancer franc. Premier lancer franc pour un des héros de ce match, Rabibisoa. Il est manqué. Aïe, aïe, aïe. Encouragé toujours par Andrea Tsarafara. Rabibisoa qui peut toujours mettre le Mali à 2 possessions à condition de marquer celui-là. Voilà qui est fait. Le Mali désormais à 2 possessions. 1:18 à jouer. Abdraman Kanouté qui a hésité. Abdraman Kanouté. Bien fait par Amadou Doumbia. Le pressing malien qui ne marche pas. Ouh, celui-là, il peut être dangereux, ce tir. Et le rebond, ils sont où les Maliens? Ils sont aux abonnés absents sur leur rebond défensif. Mathias Madi, Rabibisoa à 3 points, ça ne rentre pas. C'est une faute. C'est une faute commise par Leva Mirando. Remise en jeu en ligne de fond pour le Mali. 48 secondes à jouer. 2 possessions. Les Maliens sont à 2 possessions. Le champion d'Afrique est bousculé. Le champion d'Afrique va-t-il tomber? Va-t-il s'incliner?
Rien n'est fait, rien n'est dit. Marouane Diallo. Doumbia. Oh là 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 là, que c'est mal joué. Et derrière, il y a une nouvelle faute de Malik Diallo. Que c'est mal joué. Et Malik Diallo, qui à mon avis concède sa cinquième faute. Malik Diallo qui va sortir pour cinq fautes. Le meilleur joueur malien sur ce match. Et vous imaginez s'il y a une prolongation. Et Djeri Rabibiso a de nouveau lancé franc. Allez, toute la salle qui va faire silence pour permettre à Rabibiso, à Djeri, de son prénom, de se concentrer. Premier lancé pour Rabibiso. Il ne rentre pas. C'est crispant. 35 secondes à jouer. Rabibiso a lancé franc. Le deuxième. Comme tout à l'heure, 1 sur 2 pour Rabibiso. Oh, attention à cette possession qui est complètement brouillonne. Et ils vont perdre le ballon, les Maliens. Ils ont perdu le ballon. Oh, que c'est mal joué. Qu'elle est mal jouée, cette possession. Et puis, de nouveau, lancé franc. Qu'est-ce que c'est mal joué. Très, très, très mal joué, cette attaque. Très, très mal joué, cette possession. Les Maliens sont en train de donner les armes pour se faire battre. 19 secondes de lancer à venir. On revient après ce clip de la FIBA. Il a les deux lancers francs de la gagne. Mathias Madi. Il a les deux lancers francs de la gagne. Un seul pourrait suffire pour mettre le Mali à deux possessions. Et voilà qui est fait. Madagascar qui met le Mali à deux possessions à 19 secondes de la fin de cette première demi-finale. Et ce sera, à mon avis, la première grosse surprise de ce championnat d'Afrique. Plus 5 pour le Mali et pour Madagascar, le champion d'Afrique, à un genou à terre. Va-t-il plier le deuxième? Temps mort à venir pour le Mali. Oh là 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 là. Quel match. Surprenante équipe de Madagascar. Qui, c'est vrai, joue à domicile. Mais que personne n'attendait à cette fête. Avec un Anderson à 12 points. Un Mathias Madi, 19 points. Oui, beaucoup de ballons perdus. Mais 6 passes décisives. Et puis, on a ce Rabibiso. Djeri Rabibiso, 23 points, 9 rebonds. Rabibiso qui a fait un gros match. Sans oublier Landry Donovan, 21 points, 7 rebonds. Les trois stars de cette équipe sont au rendez-vous. Sans oublier les role-players. Pour le Mali, il ne faut pas se poser de questions. Une attaque courte et un tir à 3 points tout de suite. Manqué ou réussi, derrière, il faut faire faute pour arrêter le chrono. Voilà, tout de suite, il va falloir shooter à 3 points. Alors là, c'est une faute à ne pas faire. Mais la faute a été commise sur un tir à 3 points qui va donner 3 lancers francs
Faute commise par Mathias Madi. Surprenant. Surprenant de sa part. Avec tout le bagage qu'il a. Et lancé franc à suivre pour Moussa Koulibaly. Moussa Koulibaly qui inscrit le premier lancé. 80-84. 16 secondes. Deuxième lancé. Moussa Koulibaly. Qui serait très inspiré d'en inscrire les trois en tout cas. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Le deuxième est manqué. Allez, le coach Randria qui demande de verrouiller le rebond et surtout de ne pas laisser les Maliens jouer le rebond offensif. Ça va être un temps mort aussi côté malgache pour faire avancer le ballon dans le camp malien. Plus 3. Ce match n'est pas terminé. Ce match n'est pas terminé. 81-84. Temps mort malgache. Mettre le système en place. On garde le ballon. On provoque des lancers francs. Les choix du coach Randria et la compréhension de ses choix par ses joueurs seront deux paramètres très importants pour gérer ces dernières secondes. 16 secondes 46 à jouer. Possession Madagascar. 3 points d'avance, plus possession Madagascar. Mais on sait que ça peut paraître une éternité. Allez, remise en jeu. Rabi Bissoua. Le ballon malgache. On va faire tourner le ballon. Voilà, on va le garder jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Attention à ne pas le perdre sur la fin. Les Malgaches, bah c'est gagné. C'est gagné pour Madagascar. La passe dans le dos. Eh oui, les Malgaches sont en finale. Les Malgaches sont en finale. Le champion d'Afrique qui tombe. Le champion d'Afrique qui s'incline, qui est éliminé. Double champion d'Afrique. C'est un gros upset. Un gros, gros, gros upset pour cette équipe du Mali qui va s'incliner. 84-81. Quelle équipe malgache, surprenante équipe malgache qui a joué avec ses armes, qui a joué avec son âme, qui a joué avec son cœur. Équipe malgache coachée par Randria et Madagascar qui va en finale. Messieurs, dames, si on l'avait dit au début de ce tournoi, personne ne nous aurait pris au sérieux, personne ne l'aurait cru. Madagascar l'a fait. Madagascar qui remporte cette demi-finale et qui se qualifie pour la finale de ce championnat d'Afrique U17 avec des joueurs de devoir, avec un artiste qui s'appelle Mathias Madi, 19 points, 6 passes décisives et 4 rebonds. Mais on a aussi ce Anderson, Andrea Tsarafara, 12 points, 10 rebonds en double-double. Fabrizio Eritana, 9 points. Rabi Bissoua, quel joueur qui a mis des lancers francs importants. 11 sur 15 au lancer franc. Rabi Bissoua, 23 points, 9 rebonds. 3 passes décisives pour Rabi Bissoua. Et puis l'autre, Landrick Donovan, Rakoto Nanahari, qui a joué les 40 minutes, qui n'est pas sorti une seule minute. 21 points, 7 rebonds. Deux passes décisives. Côté malien, Diallo a essayé d'être l'arbre qui cache la forêt. Kanouté aussi a essayé. Malik Diallo, 23 points, 16 rebonds. 16 rebonds. 25 points pour Abdraman Kanouté avec deux passes décisives, mais beaucoup de mauvais choix. Malheureusement pour les Maliens, le héros du quart de finale, Mamadou Diarra, est passé à côté de son match. Amadou Doumbia, même s'il met 12 points, ne pèse pas dans ce match. Et puis Marouane Diallo, qui non plus n'a pas pesé dans ce match. Résultat des courses, Madagascar s'impose. Et regardez cette belle salle du Palais des Sports. Mama Sina qui s'illumine pour fêter
cette qualification en finale de Madagascar. Madagascar qui fait tomber le champion en titre. Madagascar qui fait s'écrouler les Maliens sur le score de 81-84-81. Bravo Malgache, félicitations Madagascar. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième demi-finale entre l'Égypte et l'Angola. On va souffler un petit instant, à tout à l'heure.